Lionel cuisine l'une des meilleures ventes de son employeur, le surimi qui mijote dans ses grandes cuves. Ah. Et si après 20 ans de travail, il n'a jamais eu envie d'aller voir ailleurs, c'est parce que son entreprise lui a fait un joli cadeau pour le garder. Elle a fait de lui un actionnaire du groupe, tout comme ses 3000 collègues. Alors dès qu'il a un moment de pause, Lionel file à la machine à café, où il a pris l'habitude de jeter un œil sur le cours de l'action Fleury Michon. En 2014, c'était au plus bas à 40 euros et ça a été au plus haut à presque 70 euros. Des actions distribuées aux salariés dès la signature de leur CDI. Cerise sur le gâteau, il y a 3 ans, l'entreprise leur a donné à chacun 30 actions gratuites pour une valeur de 1500 euros. Placement boursier, intéressement, participation. Ici, Lionel, comme ses collègues, gagne bien plus qu'un 13e mois. Tout ça, ça ferait à peu près 14 à 15 mois de salaire sur l'année selon les résultats de l'entreprise. Qu'est-ce que ça vous permet de faire, par exemple ? Déjà de partir en vacances en famille. On peut aller au sport d'hiver avec les enfants. Des bonus qui ont de quoi faire rêver. Mais ici, en Vendée, plus particulièrement chez Fleury Michon, les patrons ont toujours chouchouté leurs salariés. Tout commence en 1885, quand un gars du cru, Félix Fleury, crée une charcuterie à La Roche-sur-Yon. Quelques années plus tard, il s'associe à son beau-frère, Lucien Michon, négociant en viande. Fleury Michon est né avec une devise « Il faut faire les choses comme il faut ». Paternaliste avec ses employés, l'entreprise mettra en place le congé parental dès 1994, un an avant que la loi ne le généralise à toute la France. Aujourd'hui, avec 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce géant de l'agroalimentaire continue de prendre soin de ses salariés, par philosophie, mais aussi parce qu'il a besoin de les fidéliser. Bonjour Isabelle. Bonjour Gérard. Ça va bien ? Très bien, merci. Bon. Et pour cela, comme va nous l'expliquer Gérard Chambet, un de ses cadres dirigeants, l'entreprise n'a pas hésité à ouvrir largement son capital aux salariés. Si on prend un camembert, tout simple, on va dire qu'il y a aux alentours de 64% qui est détenu par la famille. Il y a de l'ordre de 6% qui est détenu par les salariés. 6%, c'est tout de même 15 millions d'euros. Et le reste, c'est les actions qui sont mises en bourse aujourd'hui. Voilà. Donc, si on en fait, il reste 30% de flottant. Voilà. Dès l'an 2000, lorsque l'entreprise entre en bourse, elle va jusqu'à prêter de l'argent aux salariés pour qu'ils puissent acheter des actions. L'action valait 18 euros et quand vous preniez une action, vous aviez un abondement de 20%. Donc ça coûte moins cher. Et on pouvait aussi faire de l'avance pour ceux qui n'avaient pas de trésorerie personnelle pour pouvoir prendre des actions. Pourquoi faire ces cadeaux-là ? C'est une façon de dire aux gens, vous êtes fidèles, vous travaillez, vous êtes engagé dans l'entreprise. En plus d'être salarié, soyez aussi un peu possesseur de cette entreprise. On a très peu de turnover dans l'entreprise. En France, chaque année, un salarié sur 6 change d'employeur. Mais en Vendée, avec de tels traitements, c'est à peine un salarié sur 10. Et pour les fidéliser, pas question de prendre de risques. Ici, le moindre effort se paye rubis sur l'ongle. Salut Christophe. Alors collègue, dis-moi tout. Ça va, ça va ? Et Lionel en sait quelque chose. Tous les 6 mois, comme une centaine de salariés, il accepte de basculer vers un autre entrepôt, celui de la logistique du jambon, pour travailler avec une autre équipe. Cette agilité est récompensée par une prime de 130 euros net par mois. Dans l'entreprise, la flexibilité, c'est naturel. Il y a de la saisonnalité, donc on va travailler en 3-8 sur 6 jours, 5-6 jours. Et en basse saison, on est plutôt sur un rythme de 4 jours. Donc faire plus d'heures à un moment donné et moins d'heures à un autre moment, c'est naturel. Est-ce que c'est naturel de dire non à son patron, à son responsable qui vous propose plus d'heures ?
on va plutôt dire oui naturellement. Si on donne la date suffisamment longtemps à l'avance, on arrive toujours à s'arranger. Mais ça pose pas de problème majeur.